Notre programme du dimanche 11 septembre 2022 se présente ainsi. La prière d'introduction sera faite par Sœur Denise Redoré du New Jersey, la prière de confession par Frère Ézéchiel Bonhomme de la Martinique, la première lecture par Frère Benzer Joseph du New Jersey dans le psaume 136, la deuxième lecture par Sœur Daphnide Saint-Louis d'Haïti, dans le livre Jean chapitre 6, la prière pastorale par Frère Ézéchiel Bonhomme de la Martinique, la présentation des visiteurs par Sœur Kathleen Bernard Joseph du New Jersey, la prière pour le message par Sœur Micheline Jean-Charles de New York. Notre message du jour sera notre révérend pasteur Pierre-Louis Wilson, la prière finale par Frère Reginald Senatus de la Martinique. Les paroles de bénédiction seront prononcées par notre révérend pasteur Pierre-Louis Wilson. Vous avez avec nous comme dirigeants principaux votre bien aimé frère Chester Gabriel, Sœur Kathleen Bernard Joseph et Sœur Denise Redoré. Je vous souhaite une bonne adoration et un bon dimanche dans le Seigneur. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur les couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des sceaux de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Amen. Visent tes magnifiques.
Que celui